Sport toujours et gros plan sur une exposition itinérante mise sur pied par le Panathlon. Alors le Panathlon, c'est une association qui travaille à la promotion de l'éthique sportive. L'esprit du sport, c'est le nom de cette expo photo à voir en ce moment à Oudergem, en région bruxelloise. 60 œuvres ont été sélectionnées et vont voyager un peu partout dans notre pays. Des photos poignantes, émouvantes, sans légende. Ici, c'est le spectateur qui interprète les clichés et qui laisse parler son imagination. Ils ont fini le match et c'est l'important, c'est pas gagner, mais c'est de s'amuser, quoi. Qu'est-ce qui est chouette d'avoir dans cette photo ? Le fair play. Et quoi d'autre ? Le câlin. Des animations sont spécialement destinées aux écoles pour donner l'envie aux plus jeunes de faire du sport et pour transmettre les valeurs olympiques. Au-delà de la victoire, au-delà de la défaite, c'est la fraternité entre les sportifs qui compte et qui prime, parce que cette valeur-là, on la retrouvera également dans la vie de tous les jours après. Cette photo de 1960 est sans doute celle qui caractérise le mieux les valeurs du sport. La finale du 4 avec Barreur à Rome en 1960, un mimétisme dans la poignée de main, cet acte exceptionnel qui est de rapprocher les deux bateaux avec un aviron, la poignée de main des deux barreurs, les sourires généraux des 10 sportifs et l'impossibilité quasi sauf à connaître les résultats de cette finale, de pouvoir tout de suite repérer le vainqueur du perdant. L'exposition sera à Oudergem jusqu'au 16 mai. Ensuite, elle sillonnera la Belgique. Une expo qui a déjà donné l'envie à certains de faire du sport.